Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir durant la première vidéo, je sais pas si ce sera la deuxième ou la troisième celle-ci, mais on a fait le match Bobby Lashley face à Drew McIntyre en mode Hell in a Cell, bien sûr, parce qu'on a Hell in a Cell. Et là, on fait le match pour le titre féminin de Raw qui oppose Rhea Ripley face à Charlotte. Pour moi, Rhea va rester championne. Et puis voilà. C'est que j'ai hésité, je me suis dit, quel titre va basculer? Est-ce que c'est le titre entre Bianca et Bayley? Ou celui-ci? Celui-ci paraît plus probable, mais voilà, j'aime bien être à contre-courant de tout ce qui se fait. Donc pour moi, elle va conserver celui-ci. Et par contre, celui de SmackDown, ça va être tout l'inverse. On verra si j'ai raison ou pas. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et tout. Moi, ça, je... Aujourd'hui, nous sommes lundi 14, et je fais les petites vidéos en avance, comme ça au moins, pour dimanche, bah, vous aurez vos vidéos, voilà, elles seront là, prêtes, et ce sera parfait. Il n'y a pas que les vidéos qui seront prêtes, Charlotte aussi, attention, elle va me faire très très mal, elle m'a dit, ah, alors là, je te fume, aujourd'hui je fume. Et si vous voulez laisser un petit like aussi, hein, n'hésitez pas. Après là, j'avoue, c'est pas l'endroit vraiment où vous pouvez proposer vos matchs. Je préfère plutôt les pronostics. Vous pouvez, mais il me semble que la modération ne cherche pas les matchs sur ces vidéos-là. Donc, ça, c'est un peu les mettre pour rien. Après, je sais que même si je le dis, il y en a qui le mettront. Donc, ça sert pas à grand-chose, mais on sait jamais. Je le dis quand même. Comme ça, pour ceux qui écoutent, eh bien, c'est parfait. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu? Merci. Alors là, monsieur l'arbitre, vous êtes une crème. Vous voyez, tellement une crème que Charlotte, je tabasse. Hein. Bonjour. Oh là, bien joué là. Elle est rapide aujourd'hui. Hein. Après ça, quand on tape de stats, Charlotte est beaucoup plus haute. Elle a, je crois, 10 ou 11 points. Donc ça va être compliqué. Et ça se voit. Mais voilà. Ouais. Professionnel ou pas professionnel ici? La queen. Tu vois, ouais, la queen. Attention. Je vais lui faire la spéciale Freddie Mercury. Et ouais. Ça picote ça. Hein. Ouais, c'est vrai que je lui disais. Est-ce qu'elle va pouvoir à un moment... ça dirait pas de descendre. Monter sur la troisième corde, ça me paraissait chelou, tu vois. Mais après tout... Ah, ça fait mal, ça. Hein. Ah, de se prendre une tape comme ça. Surtout le coin. Tu te prends le coin, ça fait mal. Et là, hop. Voilà, un petit peu de sang, comme ça. Si tu vends les petites plaquettes, bah tu les vends plus cher, forcément. Parce qu'un petit peu de sang de flair, génétiquement, c'est plutôt pas mal. Salut, ça va? Moi c'est Rhea. Et toi, tu t'appelles comment? Je t'ai dit, tu t'appelles comment? Je t'ai pas dit, attaque-moi. Vilaine. Hop là, on la soulève. C'est que niveau physique, au niveau des deux, c'est très très lourd. Oh là, elle voulait s'échapper. Franchement. J'ai échappé. Par contre, j'ai fait le tombé enchaîné là. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Je ne suis pas d'accord, j'ai fait le tour d'enchaîner. Ça rebreak ça que les jambes de Charlotte. Elle a des longues jambes. Et non! Qu'est-ce que tu voulais faire là? Bah alors Charlotte, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué? Ah non, j'ai parlé trop vite. Et non, là elle a voulu faire le retour. Je l'ai senti, hein. Vous l'avez senti vous aussi. Je l'ai pré-shot à 200 km par contre. C'est contre sur contre, hein. Un coup contre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oh! Recourpier. Alors là, c'était un beau recourpier. Alors tout à l'heure, je te montrais la table, je te montrais le coin. Bah là, je te montrais... Ah bah non. C'est moi qui me les prends. Les escaliers. Ah, en plus, ça salue la foule et tout. Oh là. Ah ouais, tu te la pètes comme ça. Hein. Depuis le début du match, je te déglingue. Et là, t'es un peu au-dessus pendant 10 secondes. Y'a pas de problème. Tiens. Alors. Comment tu l'as senti celui-là? Ça a quel goût? Hop là. Alors, je voulais la lancer sur l'escalier. Hein. Je vais pas vous mentir. À la base, c'était un lancer escalier. Malheureusement, c'était pas bon. C'est que quand tu penses, Rhea Ripley va avoir une hausse de sa note. Que là, elle a 78, je crois. Ou 76, je sais plus. Ah, si elle gagne pas au minimum 8 points. Ça me paraît très chelou. Bien joué, ça. Allez, même l'arbitre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis ébloui. D'accord. Oh, je suis choqué. Je suis choqué par la vitesse de ce combat.
Je pensais que Charlotte allait se relever, elle a une très bonne note et tout, et nous sommes en légendaire. Vous savez comment ça se passe ici, on met pas la difficulté un peu moindre. Je suis choqué et un peu déçu de sa part, voilà. Bon, ça s'est quand même fini comme ça. Peut-être que le match se finira aussi rapidement ou aussi bizarrement. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et c'est tout. Allez, salut!